disons qu'effectivement, face à l'essor exceptionnel d'Orange Money, il nous tient à cœur, en tout cas, de continuer à développer les services financiers mobiles, toujours dans le strict respect de la réglementation. Notre mission, c'est de répondre aux exigences des banques centrales et de garantir la sécurité des opérations, ainsi que la protection des clients et la protection aussi des données de nos clients. Nous avons pour cela créé ce qu'on appelle des établissements régulés, Orange Money. Jusqu'à présent, nous l'avons fait dans 12 pays. Et dans ces 12 pays, nous nous appuyons aussi sur le SECOM, qui est notre centre d'expertise et de conformité Orange Money, qui est à Abidjan. Et donc, ces structures sont garantes des opérations et dialoguent directement aussi avec les autorités. Elles permettent aussi de simplifier la mise en place de nouveaux services. Et puis, d'un autre côté, en raison du volume de transactions, les opérateurs mobile money aujourd'hui sont des acteurs clés de l'économie des pays africains. Et nous souhaitons effectivement, en tant qu'acteurs importants, participer aux discussions en ce qui concerne la réglementation du mobile money, qui se fait avec les banques centrales.